Salut tout le monde, je suis Michèle Desrochers, humoriste de la relève, improvisatrice et artiste du mime. Vous me connaissez sûrement pour mes œuvres Bibi plus Geneviève égale Michèle Desrochers, Britney Spears vaut dépanneur et Moi qui mets un dalmatien. Alors, c'est quoi ça, un mime? 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 Oh mon dieu! C'est un peu comme un langage, c'est un peu comme un code. Comment je te dirais bien ça? Image plus texte égale drôle. Texte plus texte égale drôle. Ton père sur Facebook égale malaise. Le mime est une créature du web. On le retrouve dans son habitat naturel. Facebook, Instagram, 9gag, Reddit, Twitter, et partout ailleurs. Bon, les modèles de mimes. Pour faire un mime, on utilise des modèles, des images qui ont déjà des sens. Woman yelling at cat. Je te crie après pis t'éteins le chat. Hello darkness, my old friend. Distracted boyfriend. Hashtag first world problem. J'ai échappé mon lingot d'or dans la piscine creusée. Harold qui est déprimé pis qui le cache. Une fois que t'as tes mimes, tes modèles, tes templates, c'est là que tu peux commencer à être créatif. Freak out, yo! Comme moi, avec mon mime de Arden, avec le chum jaloux. Mon mime sur Catherine Dorion, avec les deux motards qui se crient après. Et des mimes de François Legault, qui se fait brosser du papier. Aussi, on peut prendre un modèle et virer complètement fou, faire des surenchères, faire plein de fois la même blague, ou être créatif avec le modèle. Floor is lava, tu connais? Floor is lavande, ça c'est moi. Floor is laval, floor is lavage. Floor is. Tu comprends? Y a pas de limite. Ce qui est le fun avec les mimes, c'est que ça part de ce qu'on vit. Moi aussi, je fais ça! Mais en ce moment, on vit pas grand chose. Mais on vit plein de choses, mais en dedans. J'ai goûté de dehors! Pas de party, pas d'amis, pas d'école, pas de danse, pas de Frenchage, pas de Zumba. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mimes! Première chose, Urban Dictionary. Un site où tu peux savoir ce que les mots veulent dire et ce que les mimes veulent vraiment dire. Le site Know Your Meme, où tu peux trouver la symbolique de chacune des images. Puis sinon, Google. C'est vraiment cool qu'on puisse faire des mimes 100% québécois, mais en même temps, c'est pas une excuse pour faire plein de fautes. Il apparaît que vous ayez fait une petite erreur dans le groupe Verbe, signé Monique. Vous connaissez peut-être une couple de mimes québécois déjà? La madame de pas tellement du débat des chefs. Horatio, notre héros et ses tartelettes. Manon Massé qui comprend pas c'est quoi un cœur. Une fois que tu sais c'est quoi un meme et que t'es prête à utiliser des modèles, tu peux utiliser Meme Generator ou encore Meme Creator, qui sont des plateformes où tu peux choisir les modèles, inscrire ton texte et faire un meme en 30 secondes. Si t'es très 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 motivé pis que t'es en feu, tu peux aller sur Photoshop, tu peux aller sur Paint, modifier toi-même les modèles, faire des jokes, faire des collages pis être super créatif. En or, il faut respecter la création des autres. Il y en a qui volent. Si tu veux pas te faire voler ton travail, tu peux signer ton mime en bas. Et peut-être que les gens vont quand même partager ton mime sans te créditer. Tu peux écrire un petit message à quelqu'un. Cher utilisateur du web, il semblerait que vous ayez copié mon art. Sincèrement, offusqué. Sinon, tu peux essayer de poursuivre les gens et perdre toute une vie là-dessus, comme Claude Robinson. Puis si tu sais pas c'est qui, Google it. Les mimes, c'est le fun parce que c'est drôle. On peut se reconnaître, on peut partager, on peut s'exprimer, pis tout le monde peut faire des mimes. Pis ce qui est vraiment le fun avec l'Internet, c'est qu'on peut se plugger. Tu comprends? Michèle Desrochers, humoriste, artiste du mime. Ah ben, une image comique!